Vous recherchez une presse à repasser, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures presses à repasser qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, une presse à repasser, c'est un appareil de repassage qui permet de repasser plus rapidement, plus efficacement les vêtements et les tissus. Vous aurez une pression et une chaleur qui sera aussi plus uniforme. C'est très simple d'utilisation. Ça convient à une variété très grande de tissus. Vous pourrez, en plus des vêtements, faire aussi des nappes et autres. Et c'est donc un outil qui peut vous faire gagner du temps si vous avez beaucoup de matière, beaucoup de tissus à repasser tout simplement. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les produits les mieux notés sur le marché, par ordre de prix décroissant, en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr, il y aura tous les liens en description si vous souhaitez commander un de ces produits ou regarder plus en détail. On va commencer avec la Speedy Press, presse à repasser à vapeur, format XL. Donc là, c'est un grand format, on a 90 cm de large sur 31 cm de long, de hauteur, de profondeur. Donc c'est peut-être beaucoup, mais sachez qu'il y a 4 déclinaisons avec ce produit. Vous avez un modèle plus petit qui fait 80 x 31, un qui fait 64 x 27 et un qui fait 55 x 22. Donc ce serait bien que vous puissiez imaginer qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et après, plus vous allez prendre petit, normalement, plus le prix sera bas. Donc là, je vous présente le modèle le plus grand, qui est donc le plus cher, mais vous pourrez cliquer directement dans la description et sélectionner la taille que vous voulez, et le prix variera en fonction. En tout cas, on a des bonnes évaluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 840 évaluations. Donc, c'est très bon à ce niveau-là. C'est donc une presse à repasser qui aura une bonne puissance de 2200 watts. Ça protégera les tissus même très délicats comme la soie. Et vous aurez un contrôle de la température variable à adapter en fonction de quels habits vous allez repasser, etc. Ce sera bien plus grand qu'un fer à repasser, donc forcément plus efficace. Ça va prendre moins de temps, donc surtout pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps au niveau du repassage. Si ça vous fait gagner du temps, même si ça coûte au début un petit peu d'argent pour acheter la presse, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. On aura un arrêt de sécurité automatique, donc lorsqu'il est fermé pendant 10 secondes avec une alarme sonore, donc, ou lorsqu'il marche, il est en marche pendant 15 minutes. Donc au moins si vous oubliez peut-être de l'éteindre ou autre, il y aura ce côté-là, donc c'est plutôt pas mal. Vous aurez le choix de la fonction vapeur automatique ou manuelle. Donc en automatique, la presse va sortir un jet de vapeur lorsque la plaque de pressage est d'environ quelques centimètres, peut-être 7 cm, 8 cm au-dessus. Et l'ordre manuel, c'est vous qui allez avoir le contrôle sur le moment et la durée du jet de vapeur en utilisant commutateurs sur la poignée. Donc vous pourrez choisir ça. Il y a un réservoir d'eau de 300 ml, donc c'est plutôt classique. Donc voilà, clairement, c'est un des top produits sur le marché. Et ce qui est bien, c'est que vous pourrez sélectionner la taille que vous préférez en passant par le premier lien en description. Un deuxième produit que je vous présente, c'est la Singer Supernova Presse à repasser. Donc là, c'est un modèle qui est forcément plus petit que le modèle précédent. Si on prend en compte, bien sûr, que vous aviez pris le plus grand. Là, on a une taille de 67 x 24 cm au niveau de la surface de repassage. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça vous fait une bonne surface, ça reste assez grand pour mettre pas mal de vêtements, etc. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Sinon, on aura une puissance de 1600 watts, ce qui est très suffisant, une grande pression, une bonne puissance avec une haute température à la vapeur, hein. Ça a vraiment éliminé 99,99% des tâches sur n'importe quelle surface de vêtements, etc. On aura différentes modalités de sélection vapeur que vous pourrez prendre pour vraiment éliminer tous les tissus, enfin tous les plis sur les tissus, etc. Avec un jet qui sera vraiment puissant, et on aura 700 grammes par minute au niveau du débit de vapeur.
Donc ce sera voilà, une grande quantité de vapeur. Ce sera prêt à l'utilisation en seulement 45 secondes. Donc ce sera assez efficace pour donc, des nappes, des habits, des rideaux, des draps. Enfin voilà, c'est très complet à ce niveau-là. La surface, c'est équivalent à environ 10 fers à repasser. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Ça fera forcément gagner du temps. Donc c'est aussi une très bonne marque et un produit que je vous recommande. Et on va terminer avec un modèle Singer également, donc qui est un petit peu différent. C'est la Intelligent Steam de la même marque. 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 220 évaluations. Donc c'est aussi un produit qui peut être intéressant si vous avez besoin d'une surface plus petite. Là, sur le modèle précédent, il n'y avait pas autant de déclinaisons avec toutes les tailles et tout. Donc là, ça vous permettra d'avoir une variation. Bon, après, il n'y a pas non plus une taille très différente. Mais en tout cas, ça reste un bon produit qui vous permettra une surface de repassage relativement spacieuse. Donc c'est toujours environ 10 fers à repasser. Hein, donc c'est quand même très bien. Vous aurez une poignée confortable avec des commandes vapeur, un écran tactile numérique qui vous permettra de régler le type de tissu, la vapeur, etc. Donc ce sera très intuitif. C'est prêt en 45 secondes à l'utilisation. On aura vraiment la possibilité de tout repasser, chemise, vêtements, jeans, ou même une nappe, un rideau, ce genre de choses. Donc c'est aussi un choix très intéressant. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux Singer, mais voilà, je préférais vous présenter un produit peut-être qui est pas si différent que ça, plutôt que prendre une marque avec un produit moins bien noté, moins qualitatif, tout simplement. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures presses à repasser qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos, cliquez directement sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.